bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Allez, là ça va être très rapide, en fait c'est déjà sur ma droite, on y est déjà. On est sur un bien qui est à la vente depuis un bon moment en fait, et qui ne se vend pas, et sur lequel j'ai fait une offre. Et en fait, j'ai jamais eu une seule réponse, et pourtant ça m'emmerde parce qu'il est vraiment mais magnifique. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais passer derrière la caméra, comme j'ai l'habitude de le faire, je vous le montre, et après je vous explique, comme d'hab. Allez, à tout de suite. Et ça va, ça commence donc ici là, tac, et ça va jusque là au fond là, tac. En fait vous avez deux entrées de parking, vous en avez une ici là, tac, et vous avez une sortie là-bas ou dans l'autre sens, comme vous préférez. Je vais essayer de vous montrer de l'autre côté. Donc là, vous avez les entrées communes, sur ma droite, enfin sur la vôtre. Et derrière vous avez un parking avec un petit studio ici sur la gauche. Encore un garage là, tac, des garages des deux côtés. La sortie. Alors voilà, je suis encore dedans. Comme vous voyez, c'est carrément magnifique. On retourne au soleil. J'adore ce bien, il est super beau, mais il est à la vente et il ne se vend pas. Donc le truc, c'est que on est vraiment sur un tarif très loin de la réalité, genre 2 ou 300 000 euros plus cher que ce que ça vaut. Et j'ai fait une offre, j'ai envoyé l'enveloppe, mais je crois qu'ils se sont vexés. Mais là, j'ai eu un énorme tort sur ce truc-là, et je regrette aujourd'hui, c'est que j'ai même pas cherché à contacter les propriétaires. En fait, j'ai rencontré quelqu'un dans la cage d'escalier qui m'a dit qu'il était le fils. J'y ai fait confiance, j'ai pris l'adresse et tout, tac, j'ai tout envoyé aux parents. Et j'ai jamais rien vérifié en fait. Et c'est une énorme erreur parce que, en réalité, autant la lettre elle est jamais arrivée, autant j'ai écrit à la mauvaise personne, autant il m'a dit n'importe quoi. Et ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai pas de raison valable à vous donner. Voilà, je suis pas allé plus loin. Bon, clairement, je sais pas si j'aurais pu réussir à l'avoir. Le banquier pourtant était emballé quand j'ai monté les photos, mais j'ai des doutes. Moi, j'étais super emballé, des terrasses partout. Mais voilà, je crois que j'ai pas été bon sur le fait que j'ai rien vérifié, ni la source ni l'information. Et finalement, on saura jamais si ce que j'ai fait, ça a servi à quelque chose ou à rien. Allez, je vous dis à plus tard. Salut.